Aujourd'hui, on va voir comment cuisiner rishta. Pour les ingrédients, on a besoin 4 courgettes coupées en cubes, comme ça, de cette manière. 4 navets coupés la même chose en cubes. 2 oignons. Un bol de pois chiches, bien sûr trempé la veille. Quelques morceaux de poulet, ou vous pouvez préparer avec des morceaux de viande. Une tasse de raisin sec. 2 litres d'eau. Et bien sûr, le rishta. Poivre noir selon vos goûts. Une cuillère à café de cannelle. Une cuillère à café de ras el hanout. Une cuillère à café de paprika. 2 cuillères à café de pâte de tomate. Le sel. Une tierce de tasse d'huile canola. Et un peu d'huile d'olive. Dans un chaudron, on va mettre l'huile, les oignons, le poulet. On va faire revenir le poulet, les oignons avec l'huile 5 minutes. On va ajouter le sel selon vos goûts, un peu de poivre noir, la cannelle, un peu d'ras el hanout, paprika, pâte de tomate. On va bien mélanger. On va laisser le poulet avec les épices pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer l'eau pour la sauce. Quand l'eau est chaude, on va verser l'eau dans le chaudron. On va laisser bouillir pendant 10 minutes. Une fois qu'elle commence à bouillir, on va ajouter les légumes. Les pois chiches, les navets et les raisins. Et on va laisser cuire. Dès que la sauce commence à bouillir, on va passer le rishta à la vapeur dans un couscoussière. Après que le rishta a passé à la vapeur pendant 15 minutes, on va la verser dans un grand saladier. On va lui mettre un peu de sel. Arroser avec un peu d'eau et ouvrir entre les doigts, comme ça, et enduire avec un peu d'huile d'olive. Une fois que le rishta a absorbé l'eau, on va la passer une deuxième fois à la vapeur. On va la prendre juste avec le bout du doigt. Une fois que toute la vapeur sort du rishta, notre rishta est bien prêt et la sauce aussi. Voilà, notre rishta est bien prêt. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Merci.